Tu m'as dit que tu me cherchais? Tu dois nous aider à détruire des bidons de goudron. J'en ai fini avec tout ça. J'ai choisi une nouvelle voie. Celle de la paix. Allez, qu'est-il arrivé à Murray? Le mec qui n'avait pas peur de se battre contre 10 bandits avec les poings pour seule arme. Le mec qui tapait d'abord et posait les questions après. Où est-il? Où est passé mon vieil ami? Je suis désolé, Bentley. J'ai essayé de te sauver, mais je n'étais pas assez fort. Laisse tomber, Murray. Je ne t'en ai jamais voulu. La seule chose qui me chagrine, c'est d'avoir perdu mon pote. Écoute, je veux t'aider. Tu es mon deuxième meilleur ami. C'est juste que j'ai promis de rester ici pour méditer en paix jusqu'à ce que l'eau noire devienne pure. Bon, et si tu pouvais nous aider en paix, tu n'auras pas à frapper qui que ce soit. J'en suis. Si c'est comme ça, je veux bien casser ce que tu veux. En tant qu'étudiant de l'Onirita australien, je suis sûr que tu as appris la spiriboule. Ouais, carrément la première semaine. Excellent. Mets-toi en spiriboule et bouge ce tuyau d'aération. La pression devrait te propulser dans les airs. Reste en spiriboule et détruis tous les bidons de goudron de la ville. Impressionnant, ouais. C'est carrément paisible. Mon gourou ne m'en voudra pas. Appuie sur la touche L1 pour te mettre en spiriboule. Appuie sur la touche X au moment de l'impact pour bien rebondir. Je projette des marqueurs pour aider à trouver les bidons de goudron. Bravo, Murray! Ces bidons de goudron font partie intégrante du plan d'Octavio. En les éliminant du décor, tu augmentes tes chances de voir l'eau noire devenir pure. Je te le promets. Superbe rebond, copain. T'es vraiment le roi des airs. Ce bidon de goudron ne sait pas par quoi il a été frappé. Dans la voie de la paix, bien sûr. Continue comme ça et les écolos vont t'envoyer une carte de remerciement. Vraiment? C'est du beau boulot, Murray. C'est un plaisir de te revoir en action. Ouais, enfin, je n'ai pas oublié qui sont mes amis. J'ai juste remis les compteurs à zéro.